Salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archange Lyon. J'ai fini mes quêtes. Aujourd'hui, c'était de jouer des sorts en bleu et en blanc. Oh non, en bleu et en vert. J'ai pris le deck vert. Bon, le but était pas de gagner, hein. Le but était de faire la quête. Et après, les victoires, c'est avec le deck Orzhov et le deck blanc. Enfin, surtout le deck Orzhov. Donc, on en est où? Des gemmes, on est à 60 gemmes, on a 3100 au niveau des couronnes d'or, on n'a pas de joker par contre, on est à 72,8% d'ouverture du coffre, on a 4 jetons. Au niveau de la maîtrise, on est au niveau 63, donc plus que 3, on va les voir, mais normalement je dis pas de bêtises, c'est plus que 3 niveaux et voilà, encore 2 boosters. Et après, pour nous, c'est terminé. Ce sera que ceux qui payent, hein, qui auront plus. Comme d'habitude. Hein. Hop. Ouais, voilà. Donc, il n'y a vraiment plus rien. Donc, voilà. On n'aura plus qu'à continuer nos quêtes et nos trucs. Mais on gagnera plus rien sur la maîtrise. De ce fait, on va à la boutique. On va aller récupérer nos trois. Normalement, on devrait avoir un booster doré, non? On va voir, on va voir. Allez! Oh, ce qu'il est chiant, ce serveur. C'est bon. Promo d'été, c'est quoi? C'est un protège-carte usagé, t'es sérieux? Il y en a qui vont mettre de l'argent là-dedans. Mon Dieu, que c'est moche. Ouais, non, c'est trop moche. Wow. Ouais, stupidité, elle a pas de limite. C'est dans un. Donc là, on va l'avoir aujourd'hui. De ce fait, j'en prends 3 quand même. Ouais, j'en prends 3. Allez. Ok. Bon, bah voilà. Et donc, c'est reparti. Sachant que nous, on monte jusque 80 au niveau de la saison. Et après, on repart sur les anciens. Ou alors, je sais pas, je vais regarder un peu dans combien de jours ça va. On ira voir tout à l'heure si c'est marqué dans combien de jours il y a la nouvelle saison. Parce que sinon, ça vaudra le coup de commencer à économiser un peu de pièces d'or pour préparer l'arrivée de la nouvelle saison et capter un maximum de boosters dès le début. C'est aussi une stratégie. Bon, on va se faire plaisir. Ah, en plus, on va avoir un joker rare, regardez. Dès l'ouverture. Ok. Bon, écoutez, allez, on se fait plaisir. Golden. Oh, de nouvelles cartes. Ouh, prochainement un mythique. Une rare déjà. C'est cool. Alors, nouvelle carte. Banditisme malveillant. Carte rouge qui arrive à plus de 3 mana. Parce que, en fait, comme il y a X, il peut y en avoir même plus. Donc c'est vous qui choisissez. C'est un enchantement. Quand le banditisme malveillant arrive sur le champ de bataille, il inflige X blessures à chaque créature. D'accord. X, c'est la blessure. Donc en gros, c'est vous qui choisissez le nombre de blessures pour chaque créature. Waouh, ça peut faire mal ça sur des decks jetons. C'est la Radia.
À chaque fois qu'au moins une créature que vos adversaires contrôlent meurt, vous créez un jeton trésor. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Punaise! Ça veut dire que le mec, il a fait plein de petits jetons là de créatures. 1-1. Vous balancez ça avec simplement un mana, puisque bah, c'est du niveau 1. Et ça fait un dégât à chaque créature. Et en même temps, bah, ça, vous récupérez derrière de X trésors, quoi. Waouh, elle est superbe cette carte. Ah, invasion de Sergovie. De Ségovie, excusez-moi. Carte qu'on connaît. Hein. Nouvelle carte noire, c'est l'homme corbeau. Tiens donc. Créature légendaire. Alors, il arrive au deuxième round. Créature légendaire, humain et sorcier. Au début de chaque étape de fin, si un joueur s'est défaussé d'une carte ce tour-ci, créez un jeton de créature 1-1 noir oiseau avec le vol et cette créature ne peut pas bloquer. Pour 4 mana, dont l'engagement de la carte, chaque adversaire se défausse d'une carte n'activée que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Il a 2 en force, 1 en défense. Ok, c'est cool. Il y avait une petite phrase? Non, il n'y avait pas de petite phrase. Ensuite, Drafna, fondateur de l'Atnam. C'est une carte bleue qu'on connaît. On l'a déjà. En parlant de cartes qu'on a déjà, le Skrelv, puce défectrice. C'est une carte blanche hein, qu'on a déjà en quelques exemplaires. Ouais, ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Ok. Allez, grosse carte de cette session, déjà de ce premier round. Silex de Karn. Bon, bah, on connaît une carte incolore qu'on a déjà. Ok, bon, on va pas se plaindre, on a quand même déjà deux nouvelles. On est parti pour le premier booster. Oh! Et on commence par une nouvelle carte. Meneldor, sauveur rapide. Carte bleue qui arrive au quatrième round. Créature légendaire, oiseau et soldat qui paie du vol. À chaque fois que Meneldor, sauveur rapide, inflige des blessures de combat à un joueur, exilez jusqu'à une créature ciblée que vous possédez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. Oh! Oh, c'est cool ça! Ah ouais! Je pense à un deck bleu-blanc là. Ouais. Meneldor. Ok. Elle avait une petite phrase? Ouais. Alors venez. Nous avons besoin d'aller plus vite que le vent. De rivaliser avec les ailes des Nazgûl. Gandalf. Ok. On continue avec Faramir, commandant de terrain. Carte blanche hein, qu'on connaît. De toute façon, par la suite, il n'y a plus de nouvelles cartes. Donc, on continue avec le Berserker Uruk-hai. Carte noire. Je vous laisse un peu la regarder. En suivant, il y a le Martin Pêcheur d'Illithidien. C'est une carte bleue hein, qu'on a déjà. Dans le même style massue improvisée, sauf que là on est sur une carte rouge. En parlant de carte rouge, on continue avec Ruée dans la pièce. Et enfin, Cavalier de la Marche orientale, c'est une carte blanche. Ouais. Bon, bah écoutez. Ouais, déjà, c'est pas mal. En hein. 2 boosters là. 3 nouvelles cartes. Ça se prend. Ensuite, on est parti sur la deuxième grosse carte de la session. Maraudeur de la Moria. Carte rouge qu'on a déjà. Bof. Bon, écoutez.
Bon, ça va, on a quand même eu trois nouvelles cartes. On va pas se plaindre. Allez, dernier. Et hop. Et donc, pas de nouvelles cartes, évidemment. Bill le poney, carte blanche hein, qu'on connaît. Gripoil, seigneur des chevaux. Là, c'est pour un Boros. On l'a déjà. Boros, c'est magie blanche et magie rouge. Chanson de Bombadil. Je pensais en avoir terminé avec cette carte verte, mais non. Faut croire que non. Voilà. On continue avec Olifant, carte rouge. Ah ouais, elle est équipée du piétinement, il lui manquerait plus que la célérité, là ça devient un cauchemar cette carte. Olifant. Ok, on continue avec encore une carte rouge qui est pour fendre l'impérissable. On l'avait déjà ça pour fendre l'impérissable. Moi c'est bizarre, ça me dit rien du tout, hein. Dans le doute, je vais la présenter quand même, parce que c'est peut-être des cartes que j'ai récupérées entre deux victoires. Donc, pour fendre l'impérissable, donc carte rouge qui arrive au deuxième round, c'est un sort d'éphémère. Pour fendre l'impérissable, inflige 3 blessures à une créature ciblée. Cette créature perd l'indestructibilité, waouh, jusqu'à la fin du tour. Si cette créature devait mourir, ce tour-ci, exilez-la à la place. Waouh, pas mal. Et derrière, on envoie un sort de destruction. Enfin là, comme c'est du rouge, c'est plutôt un sort de blessure. Et il y a une petite phrase, je ne suis pas un homme vivant. Ok. On continue avec le cavalier de la marche orientale. Deuxième fois qu'on le voit sur la session. Carte noire, avant-garde orientale. Ok. Bon, bah dernière carte de la session. Et c'est une nouvelle carte, Saruman le multicolore. Waouh, blanc, bleu, noir. Alors je serais infoutu de vous dire quelle école c'est, parce que j'ai vraiment du mal, ou alors faudrait que j'aille voir, mais... elle arrive donc au sixième round. C'est une créature légendaire, avatar et sorcier. Elle est équipée de la parade. Défaussez-vous d'une carte d'enchantement d'éphémère ou de rituel. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, chaque tour, chaque adversaire meule deux cartes. Quand au moins une carte est meulée de cette manière, exilez une carte d'enchantement d'éphémère ou de rituel ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à celle de ce sort. Depuis le cimetière d'un adversaire, copiez la carte exilée. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coup de mana. Punaise. On meule et on récupère les sorts de l'adversaire. On est bien sur du bleu blanc, du bleu noir. Genre Dimir là, bleu noir, c'est du vol quoi. 5 en force, 4 en défense. Vous imaginez un peu le carnage. Il manquerait plus qu'à aller le vol. Encore que, comme elle se joue aussi avec du blanc, on pourrait avoir Fbet qui pourrait lui donner un point de plus, enfin un plus le vol. Ouais, c'est une belle carte. C'est une très très belle carte. Saruman le multicolore. Pour les vétérans, ceux qui sont pas débutants, si vous faites vous commencez à attaquer vos decks multicolores. Automatiquement ça peut être une idée pour monter un deck tout autour de cette carte. Ok, bah écoutez, ouais ça va, on s'est quand même bien débrouillé, on a eu 4 cartes nouvelles, ce qui est pas mauvais. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé en tout cas. Ok. On garde le dernier booster pour demain, si jamais. Non, quoique demain, si c'est vrai, on est dimanche. Donc il y a peut-être possibilité qu'on gagne les deux derniers niveaux là qui nous manquent. Pour aller les trois derniers pour arriver à 66 en maîtrise.
et qu'on récupère donc deux boosters, ça fera 3. Plus ce qu'on gagnera, on aura peut-être même 4 boosters. Donc plutôt cool. On va aller voir le profil. Alors au niveau du profil, on confirme bien qu'on est au 63e niveau. Rang saisonnier. 26 jours. On a le temps. Ici, on va regarder. Et on est à 78. On est à 2% du 80. C'est cool. Et une fois qu'on sera arrivé à 80, on partira sur les anciens. On essaiera de voir si on peut. Si on peut récupérer notamment, moi ce que j'aime bien, la guerre des Planeswalkers, le v'là. Celui-là, on va essayer de l'avancer. Parce que comme il y a des Planeswalkers, ça peut être intéressant. Ok, bah écoutez, c'est cool. Par contre, si on fait le détail, on a deux cartes toujours. 70, ils ont lâché des cartes inhabituelles. 47, ils ont lâché une carte rare. Ah, on a pris deux mythiques quand même. Hein. On les a pris quand les mythiques? Ou alors c'est moi qui les ai achetés peut-être. Ah, je me rappelle plus. Non, non, c'est pas ça. J'ai pas acheté un mythique là-dessus. Donc ils nous en ont lâché deux. Bah, il y a Saruman déjà, sur certains. Et puis peut-être l'aigle aussi. C'est vrai qu'il y avait l'aigle. Melnebard, un truc comme ça. Melnebore. Donc ouais, ils ont dû lâcher quand même deux mythiques. Ça doit leur pourfendre le cœur, ainsi que le portefeuille. Allez, j'arrête mes bêtises. On revient sur la page d'accueil. J'espère que le contenu vous plaît. Ah ouais, c'est vrai, il va falloir que je m'occupe de ça, moi. Et donc, il est temps de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne journée, profitez bien de vos proches, veillez sur vous. Allez, bye bye tout le monde, salut!